Pour le président du comité pour la transition et la restauration des institutions, les rencontres s'enchaînent et se succèdent. Avec les représentants des formations politiques, l'échange se déroule à cœur ouvert. Je souhaiterais que lorsque vous allez donner le pouvoir aux civils, que la question de la durée du mandat soit expressément, soit claire. Monsieur le Président, nous souhaitons tout naturellement que soit mis en place un acte constitutionnel qui permet de réguler la vie politique, la vie des institutions de la transition. La première chose, je crois, nous sommes à la veille d'une rentrée scolaire. Le rétablissement des bourses scolaires serait, pour le secondaire, serait vraiment une mesure très forte pour nos enfants. Face à l'assistance aujourd'hui, Brice Clotaire Oligui-Nguema réaffirme ses ambitions pour la dignité du peuple gabonais. Le comité pour la transition et la restauration des institutions appelle tous les leaders des partis politiques, quelle que soit la sensibilité, à participer à cette construction en mettant en place des institutions fortes, notamment une constitution qui va dans le sens des aspirations du peuple gabonais, mais aussi un code électoral fiable. Nous ne voulons plus des machinations où 3-4 opposants se réunissent et décident de faire changer le code et s'approuver par le pouvoir en place. Et on a dit qu'on a tenu des assises nationales pour changer le code électoral. Nous n'en voulons plus. Désormais en République gabonaise, plus de majorité ni d'opposition. Le CTRI veut donc avancer vite, mais sûrement, pour trouver des solutions pérennes aux difficultés quotidiennes des populations. Les partis sont libres de leur activité. Il n'y a plus de majorité ni d'opposition. Pour qu'il y ait majorité ou opposition, il faut un parti de la majorité au pouvoir et vice-versa. Or, dans notre cas, nous ne sommes pas un parti. Aujourd'hui encore, le président du comité pour la transition et la restauration des institutions marque des points et rassure les politiques. Au-delà, il révèle son grand intérêt pour la construction de l'édifice nouveau du pays, pour des jours meilleurs en République gabonaise.